On n'est pas beaucoup dans le meeting, mais je veux pas prendre de retard, même si normalement j'aurais suffisamment de temps pour pouvoir faire la présentation. Cette session, l'objectif de cette session, c'est un peu de vous présenter, je dirais, les premiers pas, les tout premiers pas que personnellement je vous conseille d'avoir pour débuter avec la Power Platform et Dynamics 365 si vous ne l'avez pas déjà fait. Après, si vous connaissez un peu les solutions, ça peut également s'appliquer à vous, hein. C'est un rappel de bonnes pratiques et quelques liens utiles. Qui suis-je rapidement? Parce que je pense que certains d'entre vous étaient peut-être à la session d'avant où je me suis déjà présenté. Je m'appelle Raphaël Potin. Je suis passionné par la Power Platform sur laquelle je travaille un peu depuis maintenant 2 ans. Au quotidien, je suis consultant en solutions d'affaires à Montréal. Je travaille sur les modules Dynamics 365 de vente, de gestion des projets de services et des ressources humaines. Vous aurez le slide deck, donc vous pourrez retrouver les liens pour me contacter, hein. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette présentation. Voilà le rapide plan de la présentation, hein. Vous inquiétez pas, il y a une slide par point, donc ça va être relativement simple à suivre. Donc on va juste voir un peu d'où vous pourriez venir, où est-ce que vous avez pu entendre parler de la Power Platform et de Dynamics 365. Je vais donner un peu le point de départ qui, selon moi, est un point de départ important pour débuter avec ces solutions. On verra ensuite comment on peut créer un environnement d'essai pour découvrir et un peu s'amuser avec Dynamics 365 et la Power Platform. Et après, on verra en tout dernier point un peu comment aller plus loin, quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre pour un peu aller plus loin dans votre découverte de ces solutions. Alors, une envie de Power Platform. Alors là, j'ai un peu mis des images qui vont m'en parler à certains d'entre vous. L'idée, c'est un peu de voir qu'est-ce qui a pu vous amener vers ces solutions. Donc, il y a tout d'abord des fois des tweets, des messages LinkedIn un peu accrocheurs dans lesquels vous pouvez voir à quel point c'est simple d'utiliser la Power Platform, que ce soit sur la partie Power Apps, sur la partie Power BI, sur la partie Power Automate pour automatiser vos processus d'entreprise. Vous avez peut-être également rencontré des personnes directement de Microsoft lors d'événements, sur le stand de Microsoft Learn par exemple, ou sur les discussions avec les experts, par exemple sur l'Ignite Tour, l'événement Microsoft Ignite Tour dans chaque grande ville du monde, vous allez retrouver ce type de stand où vous allez pouvoir discuter avec des gens qui vont vous donner envie d'en savoir plus et d'aller un peu plus loin avec ces solutions. Vous allez avoir après les événements organisés par des personnes de la communauté, donc des webinars ou qui vont vous présenter un peu le potentiel de cette plateforme. Donc là, avec deux amis à moi avec qui j'étais en session juste avant, donc Aurélien et Julien, qui organisent des événements sur Internet pour vous présenter un peu les possibilités qui viennent avec la plateforme. Par exemple, là, comment créer une Canvas Apps ou une Model Driven App. Je ne sais plus, en 60 minutes. Donc ça vous permet de découvrir vraiment en réel comment cela peut se passer, la configuration de ce type de solution. Vous avez également d'autres, pas forcément des événements, mais plein de personnes qui ont des chaînes YouTube, donc des MVP ou d'autres personnes de la communauté qui ont des chaînes YouTube et qui font des vidéos un peu pour vous montrer plein de petits trucs et astuces sur comment utiliser ces nouvelles solutions et souvent comment faire des choses plutôt rapidement. Créer des applications en 5 minutes, même pas en 60 minutes, mais en 5 minutes, basé sur un fichier Excel que vous avez, ou créer un flow pour lorsque vous recevez un email, va automatiquement mettre la pièce jointe dans votre OneDrive. Plein de petites choses comme ça qui peuvent être vraiment utiles dans votre travail au quotidien. Mais ça, c'est juste le tout début. Après, il y a des choses un peu plus poussées qu'on va voir ensemble tout de suite. C'est un peu les Customer Success Stories de Microsoft et avec également des personnes impliquées qui ont intégré un peu le cercle fermé des Power Apps champions, ici avec deux employés à la SNCF.
On va voir ça tout de suite. Ce qui s'est passé avec la SNCF, c'est qu'ils ont très vite embarqué sur la Power Platform pour digitaliser des processus qui étaient sous forme de papier, qui étaient source d'erreurs, par exemple sur des chaînes de montage de modules de train. Et ce que certains employés de la SNCF ont essayé de faire, donc là c'est deux personnes qu'on verra rapidement après, alors je peux aller chercher leur nom quand même pour ne pas me perdre. Donc nous avions Rémi, hein, de la SNCF, et ici Ludovic, qui étaient des personnes qui travaillaient au niveau de la partie IT de la SNCF, informatique, et qui ont décidé de mettre en place des outils pour digitaliser un peu tous ces processus source d'erreur et les fiabiliser, les rendre plus robustes. Donc, ils ont bâti toutes ces solutions basées à la fois sur du Power Apps, du Power Automate et aussi du Power BI. Donc, à la fois pour présenter des écrans aux utilisateurs, donc les personnes sur les chaînes de montage, et aussi présenter des rapports pour pouvoir suivre un peu l'avancée de la gestion de ces données et optimiser un peu leur process en interne. Après, il y a eu énormément de choses qui ont été faites tout autour de ça. C'était un peu leur première expérience. Ils ont construit suite des catalogues d'applications, ils ont mis en place des formations. Et tout ça montre un peu, c'est vrai que c'est un peu vendeur pour Microsoft, c'est pour ça qu'ils l'affichent sur leur site, mais ça montre un peu tout le potentiel de cette plateforme qui, si elle est bien utilisée au sein d'une entreprise, peut vraiment changer les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que l'idée de la Power Platform, c'est vraiment pas d'être un outil pour les services informatiques, c'est de donner le moyen à tous les collaborateurs de l'entreprise, c'est d'ailleurs ce que la SNCF souhaite faire, c'est donner le moyen à tous les collaborateurs de l'entreprise de devenir vraiment acteurs des processus de digitalisation. Les gens maîtrisent leur travail au quotidien, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont conscients des problématiques qu'ils rencontrent. Et ce que la Power Platform va essayer de faire, c'est de leur donner les moyens de fiabiliser tout ça, un peu comme la SNCF l'a fait. La route est encore longue, hein. Aujourd'hui, d'après leur métrique, la SNCF, ils sont loin d'avoir l'ensemble de leurs collaborateurs qui jouent avec la Power Platform, mais c'est vraiment leur objectif à long terme, et c'est pour ça que dans un deuxième temps, après avoir mis en place une application pour aider des utilisateurs finaux, ce qu'ils ont essayé de mettre en place, c'est vraiment tout un tas d'outils pour former les gens, les accompagner dans leur découverte de la Power Platform. Mais pas tout le monde a la chance d'être dans une entreprise comme la SNCF qui est vraiment moteur sur ce sujet-là. Et donc, vous pourriez, vous, avoir vu ce type d'histoire passer, ce type de tweet passer, et avoir envie d'aller un peu plus loin. Et moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de vous diriger sur le site Microsoft Learn. Il y a quelques temps encore, avant que Microsoft Learn soit créé, le contenu de formation sur la plateforme Microsoft était un peu éparpillé. Il y avait des choses de Dynamics sur un site, des choses de Azure sur l'autre site. Il y en avait un peu partout. Et Microsoft a mis énormément d'efforts afin de regrouper l'ensemble de son contenu de formation et son contenu d'apprentissage sur une seule plateforme qui est donc Microsoft Learn. Vous pouvez très bien venir sur Microsoft Learn et simplement parcourir les choses, d'accord? Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un compte parce que ça va nous permettre de suivre un peu notre parcours d'apprentissage. Donc, on va créer un compte sur Microsoft Learn et ensuite je vous montrerai le contenu un peu que vous pourriez y trouver. Donc, pour créer un compte, vous pouvez d'abord cliquer sur se connecter. Parfait. C'est l'effet démo qui est toujours très appréciable. Je vais rafraîchir un peu la page. OK. Donc, nous allons prendre notre navigateur. Je m'excuse pour ça. Je vais quitter le mode présentateur sur mon PowerPoint. Est-ce que ici, ça va aller un peu mieux? Ok, bon,
Eh bien, nous allons pas créer de compte, parce que vraisemblablement, n'est pas possible pour le moment. Mais en gros, je vais juste vous donner un peu l'idée. C'est simplement que vous allez devoir fournir une adresse. Alors, si vous avez déjà un compte Microsoft, vous pouvez simplement vous connecter avec ce compte. Ça vous permettra de vous suivre votre évolution. Si vous n'en avez pas un, vous pourrez le créer. Les comptes GitHub rattachés à des comptes Microsoft peuvent aussi être utilisés. Donc, il y a plusieurs moyens de se connecter à cette plateforme. Par contre, ce que je vous conseille, c'est vraiment lorsque vous utilisez pour la première fois un compte sur Microsoft Learn, c'est de le conserver pour la suite pour pouvoir suivre un peu votre avancée, votre montée en compétences. Donc, il va y avoir, en gros, sur Microsoft Learn, les formations sont découpées en deux types. Il va y avoir les parcours de formation qui vont vraiment vous guider sur tout un cheminement intellectuel jusqu'à atteindre un niveau de connaissance suffisant sur une solution. Et ensuite, il va y avoir des modules. En fait, c'est des sous-parties des parcours qui, elles, concernent plutôt des thématiques vraiment plus spécifiques. Si on s'amuse à parcourir un peu tout ce qui est proposé, vous allez voir que, comme je disais tout à l'heure, Microsoft a vraiment regroupé l'ensemble des choses sur la même plateforme. Donc très vite, on peut se retrouver perdu, mais on va avoir du Dynamics et de la Power Platform. C'est un peu le sujet de l'événement de ce week-end, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser Microsoft Learn pour beaucoup plus de choses. Donc là, j'ai un peu restreint sur les solutions, les produits qui me concernent. La deuxième étape, c'est vous pouvez filtrer par rôle. Ça vous permet un peu de différencier ce que vous souhaitez faire. C'est sûr que pour un consultant fonctionnel, un développeur ou un utilisateur professionnel, on ne va pas proposer les mêmes parcours de formation. Pour un utilisateur professionnel, on va voir comment commencer à créer avec Power BI. Alors que si on va avec un développeur, embêtant ce rafraîchissement. Si on va avec un profil développeur, on va avoir des choses, alors déjà avec du Finance and Operation, prise en main de Power Apps Component Framework. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Power Apps Component Framework, ce sont des modules développés dans des langages web qui permettent d'enrichir l'expérience utilisateur dans les applications Power Apps, mais aussi Dynamics. Donc le rôle, ça peut être un bon point de départ, mais ce n'est pas forcément simple d'identifier effectivement dans quel rôle vous vous positionnez, surtout si vous êtes dans une démarche de changement d'orientation professionnelle, donc vous ne saurez pas forcément vers quoi vous orienter. Personnellement, ce que je vous conseille plus, si vous débutez, c'est vraiment de venir filtrer par niveau. Donc il va y avoir le niveau débutant qui va vous proposer des parcours un peu dédiés. Qui vont vraiment vous permettre de rentrer au tout début. Alors, il y a des choses très, très généralistes, comme rendre la transformation numérique possible, et des choses un peu plus ciblées avec analyse des données dans Power BI. Une des choses intéressantes, c'est qu'il y a des parcours fondamentaux. D'accord? Donc, par exemple, celui-ci, donc Microsoft fondamentaux de principes fondamentaux de Microsoft Dynamics 65, je vais vraiment ça mauvais l'onglet. Mais malheureusement, celui-ci n'a pas encore été traduit. D'accord? Alors je vais vérifier. Parce que j'en ai vu un autre. Alors, vous devrez peut-être changer. Peut-être que c'est mon navigateur qui fait que. Ah, si. Celui-là a été traduit. On va en voir un autre juste après qui ne l'a pas encore été. Donc, le parcours de formation principes fondamentaux de Microsoft Dynamics 65 va vous permettre de découvrir toute la plateforme Dynamics 65. Pas que la partie, je dirais, customer engagement, donc avec les modules vente, marketing, mais aussi le pendant qui est côté ERP avec des solutions de finance, des choses un peu comme ça. Tout l'objectif de ce parcours, c'est vraiment vous donner des connaissances de base concernant ces solutions. D'accord? Donc on voit un peu tout, du feed service, il y a du customer insight, donc même les nouveaux modules. Dédiés sur l'intelligence artificielle de Dynamics 365, pardon, sont couverts. Et là, voilà, on commence à rentrer dans la partie un peu ERP avec le supply chain, business central, la partie human resources. D'accord? Donc, ce parcours-là, pour moi, est un très bon point de départ sur Dynamics. Ensuite,
comme justement il y en a certains qui ne sont pas traduits. Plateforme. Notion de base de Microsoft Power Platform. Ah ouais, ça devait être celui-là. Donc, est-ce que celui-ci est traduit? Il est traduit également, mais pas entièrement. Donc, vous voyez que la description du parcours est traduite en français, mais pour l'instant, certains modules, voire l'ensemble des modules, n'a pas encore été traduit. Et celui-là, c'est un peu l'identique que celui qu'on a vu avant. Donc, c'est le parcours fondamental Power Platform. Donc, ça va être un parcours très global qui va vous présenter la Power Platform dans son ensemble, et ensuite qui va parcourir chacun des modules de la Power Platform, qui sont Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Virtual Agent, et qui va vous faire découvrir chacun de ces modules. On va pas pousser la découverte très loin. Mais ça va vous permettre un peu de comprendre à quoi servent chacun des modules, comment vous pouvez les utiliser et comment vous pouvez les implémenter dans votre entreprise, dans vos contextes d'affaires, pour améliorer un peu les choses et commencer votre quête sur la partie digitalisation. Donc voilà pour Microsoft Learn. Et pour moi, la prochaine étape, chose qui, pour l'instant, je dirais, manque un peu dans la partie Microsoft Learn sur les applications business, c'est que pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre de façon théorique sur Microsoft Learn, vous allez avoir besoin d'un environnement. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont la chance d'avoir un environnement au sein de leur entreprise, d'avoir déjà du Dynamics, d'avoir déjà des gens qui travaillent sur la Power Platform, et auquel cas, je vous invite à prendre contact avec, je dirais, les personnes en charge de ces plateformes, pour demander quel est le process au sein de votre entreprise pour débuter un peu. Est-ce qu'ils mettent en place des environnements dédiés à chaque personne pour que vous puissiez jouer? Ou est-ce qu'il y a un environnement, je dirais, bac à sable où tout le monde peut un peu jouer? Donc, si vous avez la chance d'être dans ce contexte-là, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes responsables. Mais il est possible que vous soyez dans un contexte d'entreprise où vous n'avez pas du tout les moyens de découvrir ces outils. Typiquement, dans le cas d'un changement complet de carrière, vous n'aurez peut-être pas tout le nécessaire pour découvrir. C'est pourquoi Microsoft met en place des environnements d'essai. D'accord? Donc, on va voir ensemble un peu comment débuter avec ces environnements d'essai, comment en créer un, sachant que je me suis inspiré d'une vidéo YouTube très connue, hein, je l'ai utilisée moi-même, il y aura le lien dans le slide deck, mais je vais vous le montrer en pratique, en espérant ne pas avoir le même problème que juste avant. Donc voilà, quand vous arriverez sur cette page, trials.dynamics.com, il n'y a pas d'équivalent français à ma connaissance. Si quelqu'un connaît la page française équivalente, il ne faudra pas hésiter à le mettre dans le chat. Donc ici, vous allez retrouver les premiers modules, je dirais, disponibles, les seuls modules disponibles en trial simplement. Alors après, il y en a certains autres où vous pourrez passer par des chemins détournés, mais en tout cas, pour débuter, celui-ci, c'est le plus simple. Donc, vous allez retrouver la partie vente, la partie service client, la partie field service qui représente un peu toutes les interventions sur le terrain. Je sais que Microsoft donne souvent l'exemple d'une entreprise qui fait de la maintenance de machines à café. Donc ça permet d'être géré avec cette application. La partie Project Service Automation, donc qui permet de gérer des projets, comme son nom l'indique, et qui est très fortement intégrée et qui va l'être encore plus avec la solution Microsoft Project, qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Après, on rentrera plus sur la ligne d'en dessous, sur les parties un peu ERP, donc Finance and Operations. Donc ça, c'est le gros module qui permet de faire énormément de choses en termes de logistique. La partie business centrale, que je maîtrise beaucoup moins, pour être honnête, mais qui présente certaines fonctionnalités similaires à Finance and Operations, mais c'est deux outils différents pour des besoins différents. Donc je vous laisserai approfondir ça si vous souhaitez les essayer. La partie Human Resources, qui est vraiment dédiée à la gestion en ressources humaines, gestion des collaborateurs en entreprise, avec des modules de gestion de congés, qui est quelque chose de très complet. Et enfin, une partie retail, qui est un peu plus récente, il me semble,
et qui permet de gérer vraiment tout ce qui est commerce. Alors, on va partir avec le module de vente. Et l'idée, je dirais, pour pas polluer votre écosystème d'entreprise, hein, parce que vous pourriez fournir votre email de travail, c'est d'utiliser plutôt ce bouton Sign Up Here. Là, vous aurez une pop-up. Vous allez cliquer sur No, Continue Signing Up. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un compte de toute pièce. D'accord? Donc, on va mettre France. Je vais mettre les vraies informations sur cette partie. Là. Téléphone. Français. Et la taille de l'organisation, on va dire une personne, parce que je suis tout seul. Je vais faire next. Et là, on va vous demander de rentrer une adresse en onmicrosoft.com qui va être utilisée dans le cadre de la création. Alors, j'ai initialisé quelque chose ici. Donc, en gros, ça va être un domaine qui va être rattaché à votre environnement Trial et je l'ai appelé un password, passeport plutôt simple. On laisse tout ça. Vous pouvez cocher cette case si vous voulez avoir des informations et on va créer le compte. Donc là, on me redemande le numéro pour recevoir un code. J'attends avec impatience. Je vais retenter ma chance parce que je n'ai pas reçu de message. Tout, tout, tout. Bon, il n'est pas décidé aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que... Non, toujours pas. C'est un peu dommage. Ah, si. J'aurais été triste de ne pas pouvoir. Ok, ce n'est pas le bon code. Je pense que je vais en recevoir un deuxième après. Mettent un peu de temps des fois, ça dépend des jours, mais. Je vais profiter de l'attente. Vais essayer, parce que peut-être. Faut que j'attende un autre code. Ah, je l'ai. Ok. Bon, eh bien, je pense que je ne vais pas pouvoir aller plus loin, mais ce qui va se passer à la fin de cette étape, c'est que vous serez invité à choisir, alors, de nouveau, hein, parce que vous l'aurez choisi plus tôt en cliquant sur Sales, mais une fois que votre compte qu'on nous venons de configurer aura été créé, vous serez invité à créer votre instance Dynamics 365 en sélectionnant les modules que vous souhaitez. Typiquement, vous pourrez juste choisir le module Sales, encore une fois, si vous souhaitez, ou partir sur d'autres modules. À ce moment-là, vous aurez la possibilité de varier, voire d'en sélectionner plusieurs. Et en fait, une fois que vous aurez configuré cet environnement, vous pourrez utiliser les URL, je dirais, basiques. Que sont make.powerapps.com
Vous arriverez ici sans cette page et vous serez en mesure de vous connecter avec le nouveau compte que vous venez de créer sur l'environnement d'essai et de commencer à jouer avec Dynamics, mais aussi avec la partie Power Platform. C'est-à-dire que vous pourrez très bien développer des Canvas Apps, développer des flows. Faire du même les technologies, je dirais les dernières qui sont sorties d'intelligence artificielle sur la po sur Power Apps et Flow, ou même normalement avec les fonctionnalités qui sortent régulièrement de la il y a la réalité augmentée qui est sortie. Vous serez en mesure de tester ces nouveautés directement sur cet environnement d'essai. Donc c'est vraiment, je dirais, un élément clé dans votre montée en compétence, c'est de vous créer cet environnement d'essai pour pouvoir découvrir les choses à votre rythme et avancer à votre rythme. Voilà, donc là, à ce moment-là, vous aurez les deux pierres principales pour pouvoir réaliser votre montée en compétence et votre découverte de Dynamics 365 et de la Power Platform. C'est-à-dire que vous aurez votre compte Microsoft Learn pour tout ce qui est apprentissage théorique. Et vous aurez votre environnement d'essai pour tout ce qui est mise en pratique et un peu laisser place à votre curiosité pour aller plus loin. La dernière étape, et qui est une étape très importante, que vous pouvez faire même tout au début, hein, c'est pas forcé d'attendre dans l'ordre d'avoir joué avec et tout, c'est d'interagir avec la communauté. Donc, vous pouvez interagir avec la communauté sur différents canaux, je dirais. Donc, il va y avoir d'abord le forum Power Platform, donc le powerusers.microsoft.com, et le forum Dynamics, donc community.dynamics.com. Ça, c'est les forums officiels Microsoft, donc on va voir tout de suite. Donc là, sur powerusers.microsoft.com, je dirais que les communautés sont un peu découpées aujourd'hui. Je dirais que c'est plus en termes d'organisation que vraiment qu'il y a un clivage entre les différents clans. Les gens de Power BI parlent avec Power Apps, il ne faut pas voir ça comme ça, mais c'est plus, je dirais, en termes d'organisation pour pouvoir gérer les différents contenus correctement. On va accéder à Power Apps Community, qui je pense est l'un des plus fournis avec Power Automate, quoique Power BI doit être plutôt chargé également. Et en fait, là, vous allez re vous retrouver face à un forum comme vous avez pu en voir plusieurs dans votre vie, avec différents canaux de discussion, la partie AI Builder qu'on voit ici, la partie Power Apps Portals qu'on voit ici, bon, Power Virtual Agents qui est perdu là, mais qui a sa propre communauté maintenant, les annonces et les news de Microsoft. Des exemples de la communauté, des webinars. Il y a énormément de choses. Il y a même maintenant une kid zone, hein, avec la crise actuelle. La communauté a pas mal travaillé sur créer des solutions et des choses pour les enfants, pour pouvoir les occuper au quotidien. Donc vous voyez, c'est des écosystèmes très riches. Si par exemple on va sur la partie webinars et vidéo galerie. C'est bien long, ça arrive. Donc là, on arrive sur une page un peu différente où vraiment on va retrouver du contenu, beaucoup de contenu sur, regardez là, la réalité augmentée, des choses, des apps in a day, beaucoup du filtrage sur Power Apps. Il y a énormément de choses organisées par catégorie et tout. Donc, ici, vous pouvez vraiment aller plus loin. C'est-à-dire que si vous êtes en manque d'idées, vous avez fait le tour, par exemple, du parcours Fundamentals dans Learn, dans Microsoft Learn, vous avez essayé tout ça dans votre environnement d'essai, vous avez envie d'aller un peu plus loin, mais vous manquez d'idées. Souvent, les gens manquent d'idées et ne savent pas vraiment où aller, quoi essayer pour mettre à l'épreuve un peu leurs connaissances. Venez ici, venez sur ces forums, vous allez voir énormément de choses. Et vous allez peut-être pouvoir même vous contribuer. Si des gens posent des questions sur construire une Power Apps, par contre, vous allez
avoir des questions, des informations, et il ne faut pas hésiter à interagir sur ces plateformes. C'est là où je dirais le plus de contenu est généré sur toutes ces solutions. Ensuite, comme je disais, il y a la partie Dynamics. Encore une fois, c'est un forum, donc la mise en forme est un peu différente, hein, ils n'ont pas encore tout uniformisé, ça viendra peut-être. Et là, on va retrouver toutes les applications Dynamics. Donc, il va y avoir ici tous les modules qu'on a pu voir précédemment, même les modules ERP. Là, il va y avoir les parties un peu plus thématiques, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Donc là, c'est tous les modules Insights qui viennent avec Dynamics 365. Il y a même des choses sur Fraud Protection. Là, il y a des redirections vers les communautés Power Platform. Et ici, vous avez les anciens produits, je dirais, anciens produits ou des produits un peu moins mis en avant par Microsoft aujourd'hui, qui sont les produits plus on-premise, mais on retrouve aussi des d'anciens produits. Donc, si par exemple on va dans le module Sales pour voir un peu comment s'organiser, vous allez voir que c'est relativement similaire. On a directement des questions. Cette fois-ci, il n'y a pas d'organisation en canaux ou des choses comme ça. Vous allez retrouver toutes les sujets qui vont s'empiler les uns après les autres. Et encore une fois, vous pouvez trouver de l'inspiration ou venir aider les gens ou même vous venir poser des questions ici. Si vous vous retrouvez bloqué sur un sujet que vous êtes en train d'essayer, n'hésitez pas à venir sur ces sites de la communauté pour poser des questions. D'accord? Donc ça, c'était les communautés un peu officielles Microsoft sur les plateformes gérées par Microsoft. Une étape d'après comment dire, dans votre découverte de la Power Platform, dans votre approfondissement de la Power Platform et de Dynamics 365, c'est la partie certification. Typiquement, je dirais que, parce qu'on m'a posé cette question, un collègue m'a posé cette question, les certifications ne font pas tout. D'accord? Une certification ne va pas pouvoir combler votre manque d'expérience. Si aujourd'hui vous avez 1 an d'expérience et que vous passez des certifications, vous pourrez difficilement postuler sur des postes où les entreprises recherchent 5 ou 6 ans d'expérience sur du Dynamics 365, par exemple. C'est certain que ça ne va pas remplacer de l'expérience concrète. Par contre, effectivement, si vous recherchez un poste junior, parce que vous êtes vraiment dans une stratégie de reconversion professionnelle et que vous ne venez pas du tout du domaine de l'informatique, je pense qu'une certification agrémentée de quelques projets ou des petites vidéos que vous avez tournées sur comment vous avez fait, sur votre environnement d'essai, peuvent vous permettre de décrocher une première expérience sur un poste junior, d'accord? Que ce soit dans une entreprise, une société de service ou de conseil, ou même chez un client final enfin, si une entreprise qui veut aller découvrir cette Power Platform, si vous arrivez avec un peu d'expérience là-dessus, et que vous arrivez à vous vendre dans le sens où vous êtes passionné par cette technologie et que vous souhaitez accompagner l'entreprise dans sa découverte, comme vous l'avez fait, vous l'avez découvert, ça peut aider. Donc les certifications, encore une fois, Microsoft a beaucoup travaillé sur cette partie pour un peu réorganiser l'expérience de l'ensemble de la communauté sur l'apprentissage et les certifications. Donc maintenant, les certifications, vous les retrouvez sur la partie Learn, d'accord? Donc on reste sur Microsoft Learn et on est dans une partie certification. Tout à l'heure, on était dans les Learning Paths, maintenant on est dans la certification. Alors je pense qu'il y a une partie FRFR. Ouais. Donc là, Microsoft est gentil, il vous indique que certaines parties ne sont pas traduites automatiquement. Microsoft a pas mal travaillé, comme je disais, ses certifications depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, pour mieux correspondre au marché, mieux correspondre aux besoins du marché, mais aussi mieux correspondre à sa stratégie produit, justement avec la Power Platform. L'idée maintenant, c'est vraiment de certifier les gens par rapport à leur rôle au sein de l'entreprise, que ce soit des développeurs, que ce soit des architectes, que ce soit consultants fonctionnels, on va être certifié dans un chemin adapté, je dirais. Et là, vous voyez, on va retrouver notre certification Power Platform Fundamentals. Donc là, je vais rejoindre ce que je disais un peu plus tôt dans cette présentation. Ce parcours
dans Microsoft Learn pour les fondamentaux sur la Power Platform, vous pouvez le faire déboucher sur une certification, d'accord? Une fois que vous avez fini ce parcours, une fois que vous avez fini de l'essayer sur la Power, sur l'environnement d'essai, que vous êtes confiant sur vos connaissances de ce parcours, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous lancer sur l'examen qui va déboucher sur cette certification. Donc c'est l'examen PL900. Alors les noms des certifications sont peuvent être, enfin les noms des examens peuvent être un peu compliqués à suivre au tout début. Mais ici vous voyez il y a l'examen, donc il est toujours marqué en bêta. Il me semble qu'il était sorti de la bêta. Donc là vous allez avoir cet examen et cet examen, si vous le réussissez, alors là vous retrouvez le parcours d'apprentissage que nous avons vu tout à l'heure. Cet examen, si vous le réussissez, vous obtiendrez automatiquement la certification Power Platform Fundamentals, qui peut être un premier pas dans votre changement de carrière. D'accord? C'est vrai qu'en France, je sais très bien que les diplômes restent très ancrés encore, je pense, dans la partie recrutement, mais une certification peut venir jouer un peu ce rôle et vous apporter de l'assurance lorsque vous postuler sur un poste. Donc là, sur la page d'examen, vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour commencer à vous entraîner. Donc vous allez retrouver votre parcours de formation, vous allez retrouver les compétences qui sont mesurées, donc un peu savoir qu'est-ce qui va être testé dans cet examen. Et c'est depuis cette page où vous allez pouvoir planifier l'examen. Alors en ce moment, vous vous en doutez, les examens ne se font qu'en ligne, mais en temps normal, il y a également des centres d'examen. Qui existent. Pour ceux qui sont en France, malheureusement, je ne sais pas où ils sont, mais je pense qu'à Paris, il doit en avoir un et dans certaines grandes villes également. Et au pire des cas, comme je disais, vous pouvez le faire en ligne. Donc voilà pour la partie certification. Et enfin, là, ce n'est pas quelque chose qui est directement rattaché à Microsoft. C'est quelque chose qui est supporté par Microsoft, mais pas rattaché directement à Microsoft. C'est la Power Platform User Group. C'est une organisation en fait qui regroupe les gens de la communauté par rapport à par rapport aux villes où vous vous retrouvez. Donc c'est quand même une grosse organisation. Ils ont un site. C'est un peu comme la communauté Power Platform de Microsoft. C'est organisé un peu par solution. BI, Power Apps, Power Automate. Mais vous vous retrouverez dans des communautés qui parlent de tout. D'accord? Donc je vous invite à aller regarder un peu pour retrouver tout ça. Donc le site il se présente comme ça. Donc comme je disais, voilà, vous avez les Power Apps User Group, Power BI User Group. Donc c'est parce qu'au tout début de la Power Platform, je dirais que les groupes d'utilisateurs se sont faits sur des modules précis. Il y a certaines villes où il y avait beaucoup de gens qui faisaient du BI et qui se rencontraient déjà, donc ils ont décidé de faire un Power BI User Group. Mais de plus en plus maintenant, vu que la communauté est plus regroupée, ce sont des user groups communs sur toutes les solutions. Si vous allez par exemple sur All User Group, on va faire le petit exercice, vous allez voir plein de choses encore. Vous allez pouvoir découvrir d'autres type de user group, les Dynamics 65 user group qui vont vous rediriger vers une autre page. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment une organisation très complète au sein de la communauté. Sur la partie Power Apps, donc c'est un sous-ensemble du site. Et là, vous allez pouvoir localiser les user groups. Alors, j'ai fait l'exercice hier soir hein, pour être sûr qu'on en aurait. Donc là, regardez cette belle utilisation des outils de la Power Platform. Vous avez un rapport Power BI directement embarqué sur cette page. Et si on clique sur France et qu'on zoome, vous allez pouvoir voir qu'aujourd'hui, il y a deux user groups existants en France. Donc le French Power Platform User Group à Toulouse. Et le Paris Power Apps User Group. D'accord? Donc, comme vous voyez, là, il y a deux choses très différentes. C'est-à-dire que je pense que celui de Paris a été créé plus tôt, parce que c'est vraiment un Power Apps, un groupe Power Apps, alors que dans l'intitulé du User Group pour Toulouse, c'est le Power Platform User Group. Donc, c'est beaucoup plus généraliste. Après, je pense qu'à Paris,
On parle de tout et pas que de Power Apps. En tout cas, j'ose espérer. Donc là, typiquement, vous voyez, vous avez deux endroits en France aujourd'hui où il y a ces user groups et vous pouvez les localiser par pays et les chercher comme ça. N'hésitez pas, si vous avez besoin de créer un user group dans votre ville, si vous connaissez des gens déjà qui travaillent sur la propre plateforme Dynamics et que vous les rencontrez, que vous échangez avec eux sur LinkedIn, n'hésitez pas à faire des demandes pour créer des user groups. C'est vraiment comme ça que vous allez dynamiser, je dirais, l'activité de votre communauté d'un point de vue local. Et j'ai un parfait exemple pour ça. On a à Montréal alors, un Power Apps et Power Automate User Group. Pour être honnête, c'est un Business Application User Group, parce qu'on parle de Dynamics, on parle de la Power Platform, des fois on parle un peu plus même d'autres choses, toujours en lien avec les applications business. Mais je pense que ce user group à Montréal a permis de dynamiser la communauté locale, parce que maintenant on a beaucoup de gens qui font des sessions, qui partagent avec la communauté, que plusieurs personnes d'ailleurs vous pourrez voir durant cet événement. Je crois qu'on est au moins 4 de Montréal à faire des sessions durant cet événement. Donc vous voyez, ça permet vraiment de dynamiser toute la communauté locale, et c'est ça qui vous permet d'apprendre tous ensemble et d'aller plus loin. Dans ces user groups, il n'y a pas de question d'entreprise, de concurrent, même si vous êtes dans des sociétés de services différentes. C'est vraiment partager votre expérience, partager vos connaissances pour aller un peu plus loin, comme si vous faisiez un blog, comme si vous étiez sur les forums de la communauté Microsoft. Voilà pour cette session. J'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais dire. Je suis content. Il me reste une dizaine de minutes. Je vais regarder pour voir s'il y a des questions. Il n'y a pas grand monde, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Il reste la partie ici. Je vous invite à répondre à ce petit questionnaire. C'est un questionnaire sur la session. Et même, vous pouvez faire des retours sur l'événement en général, si vous voulez, sur son organisation. Et merci pour ceux qui étaient là, pour votre participation. On n'était pas beaucoup, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir la présenter quand même. Pour ceux qui la visionneront peut-être plus tard, n'hésitez pas à me joindre pour poser des questions si vous le souhaitez. Et encore merci à Victor Dantas pour l'organisation de cet incroyable événement à la dernière minute. J'espère que les gens sortiront grandis et que ça les aidera beaucoup durant cette période difficile. Donc voilà. Merci beaucoup.